Les Chevaliers de la Table Ronde. C'est un opéra d'Hervé de 1866. C'est un opéra bouffe. Ça veut dire que on va à l'opéra pour rire. Et le rire est mis en musique. Hervé pense que le rire et la musique peuvent sauver l'humanité. Et donc, il y a une phrase qui est magnifique, qui est un viatique. Mêlons tristesse et allégresse. Et c'est une phrase extraordinaire pour l'art clownesque. Les Chevaliers de la Table Ronde mélangent cinq sortes de comiques en permanence. C'est-à-dire, nous avons le comique de situation, nous avons le comique de geste, le comique de caractère, le comique de la langue et le comique de répétition. Le comique de répétition, le comique de répétition, le comique de répétition. Le costume et le décor ne font qu'un. Donc je signe aussi la scénographie, la mise en scène, les maquillages, et j'ai essayé de travailler une esthétique catégorique, c'est-à-dire c'est le noir et blanc. C'est rayé, c'est complètement surréaliste et presque psychédélique, c'est-à-dire que la folie est à son apogée.